Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo du lundi matin. Pour le coup, d'ailleurs je vais prendre un peu de café, il est tôt, beaucoup trop tôt pour tourner. On n'est pas lundi, on est dimanche pour... c'est dur là. Donc c'est une petite vidéo pour vous présenter tout simplement plusieurs petites choses. Déjà les gagnants du concours Dragon Ball Super Broly. Comme vous le savez, il y avait un concours organisé en partenariat avec Retro Gameplay pour gagner 5 places pour m'accompagner à aller voir Dragon Ball Super au Grand Rex le samedi 16 mars. Donc les tirages au sort a eu lieu, je vais vous donner le nom des personnes. Alors je l'avais déjà posté il y a une semaine dans la vidéo, mais j'ai pas eu il y a 3 personnes qui m'ont pas contacté encore, donc j'espère que cette vidéo déclenchera votre envie d'aller voir ce film avec moi, et surtout que vous avez gagné, ça serait con de pas récupérer vos places. Donc les gagnants sont Loris Flèche, Nicolas Ponce, Julien Cacou, Stéphane Legal et Krasus. J'espère que je prononce bien. Donc je vous mettrai de toute façon vos noms dans cette vidéo. Comme ça, voilà, je vous avais plus d'excuses pour pas me contacter. D'ailleurs, contactez-moi principalement dans l'idéal sur Facebook, parce que sur YouTube, les notifications de messages ne s'affichent pas. Donc envoyez-moi un MP sur Facebook. Je vous mettrai le lien également dans la description. Je voulais aussi profiter donc de cette vidéo pour faire un tout petit bilan rapide de la chaîne. Déjà pour remercier un ami et un autre youtubeur que vous connaissez certainement, qui s'appelle Ryu Gaming. Je vous mets une petite image de sa chaîne. Donc l'ami Ryu a sorti, il y a de cela, c'était le mois dernier, c'était en février, une vidéo qui présentait 3 chaînes de youtubeurs qu'il apprécie, donc dont la chaîne The Real Cerber. Il y avait aussi la chaîne de Fox Arnold et de Koda et Cora, qui sont des amis à lui. Cette vidéo a fait que je stagnais depuis pas mal de temps, entre 950 et 980 abonnés, en gagnant un peu, en en perdant un peu. Bon voilà, c'était fluctuant, ça faisait quelques mois que c'était le cas. Et là d'un coup, bam, on est passé la barre des 1000 abonnés, et bien plus vu qu'on est presque à 1100 déjà. Donc vraiment un grand merci à toi là Miryu, et merci aussi surtout à vous qui vous êtes abonnés. J'espère que le contenu de cette chaîne vous plaît. Alors je pense que c'est très différent pour le coup de la chaîne de Ryu Gaming, tout simplement parce qu'ici on va peu parler de jeux récents, on va parler principalement de vieilles consoles, et comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte, on parle beaucoup de consoles plutôt Sega, ce qui fait que dans un milieu, donc les jeux vidéo nichés, le rétro gaming encore plus niché, je ne parle que d'un truc hyper niché qui s'appelle Sega, c'est forcément, c'est normal, la base d'abonnés potentiels est beaucoup plus faible, ce qui est normal. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous serez heureux sur la chaîne. N'hésitez pas, bien sûr, à échanger avec moi dans les commentaires, à me dire ce que vous aimez moins, etc. C'est toujours intéressant comme échange. Aussi, en plus de ce concours Dragon Ball que j'ai fait, je vais essayer de recommencer à faire quelques petits concours. Je pense tous les 2 mois de faire gagner quelques jeux. Alors là, ce sera plus limité à Paris, mais ce sera vraiment pour l'ensemble des abonnés. J'avais commencé à le faire en 2015 de mémoire, ou 2016 peut-être. C'était plutôt pas mal. Tout simplement parce que j'ai genre une centaine de jeux là qui traînent en double, que j'ai la flemme de faire des échanges. Honnêtement, ça prend beaucoup de temps. Donc autant vous les faire gagner. Il y a des trucs vraiment sympas. Il y a des RPG, il y a des trucs plutôt cool. Je peux vous montrer rapidement. Je reviens. Bon, j'ai pris qu'un petit sample, hein. Je vous ai pas tout pris. Mais voilà, par exemple, vous voyez, en jeu, bon, on a de la Super NES, du Donkey Kong 3, Valkyrie Profile, Odin Sphere, Rogue Galaxy. Là, on a pas mal de petites cartouches, j'en ai encore plein, hein, mais il y a du Marvel Land sur Genesis, Alex Kidd, Like Crusade, enfin voilà, il y a pas mal de jeux. Et c'est pas des gros cadeaux, mais c'est des petits cadeaux pour vous remercier. Et puis ça met aussi un peu de vie dans la chaîne, et je trouve ça plutôt cool. Donc puis faut aussi je prends beaucoup, vous êtes là, vous échangez avec moi, etc. J'aime bien aussi donner, et je pense que c'est une des manières de faire, donc de vous remercier justement de votre fidélité, de votre activité aussi sur la chaîne. C'est toujours sympa, même si je sais qu'il y en a qui sont plus actifs que d'autres, hein. Il y en a qui regardent, qui commentent jamais, et c'est pas du tout un problème, je comprends, vous voulez être tranquille et tout, c'est pas du tout un souci. Mais voilà, aussi pour tous les gens qui sont sur la chaîne, ça fait toujours plaisir, donc voilà. Est-ce que j'ai des choses à vous dire? Non, sinon que la chaîne se porte bien, je suis content. J'arrive à faire une vidéo tous les samedis matins à 9h, comme vous avez pu le constater depuis janvier. Donc c'est cool, parce que c'était un objectif que je m'étais fixé. Pas un objectif facile à tenir, je vous avoue, parce qu'entre la vie perso, le boulot, qui est très prenant, le fait de vouloir jouer, là je suis sur Shining Force 3, là depuis une semaine à peu près,
Donc très bon jeu d'ailleurs, je suis au chapitre, j'ai quasi terminé le chapitre 2 je crois, je suis bientôt au chapitre 3, donc c'est plutôt cool et le jeu est vraiment cool, sachant que j'avais fait le Shining Force 1 et 2 l'année dernière. Voilà, c'est à peu près tout, je sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire, c'est une vidéo à la cool, de bon matin pour vous remercier et pour vous donner quelques news de la chaîne. Il y aura certainement un Sega News d'ailleurs qui va sortir ce mois-ci en mars parce qu'il y a pas mal d'activités concernant la Dreamcast notamment dont je voulais vous parler. Alors des jeux notamment qui vont sortir. Je vous donnerai un avis rapide sur les jeux. Il y en a un notamment qui a l'air énorme. J'ai un cheveu dans la gueule quelque part. C'est bon. Armed Seven, dont je vous parlerai, qui a l'air vraiment cool. Les autres ont l'air intéressants, mais je pense pas trop prendre d'autres jeux. On verra peut-être le Captain Tomané. Mais bon, ça, on en parlera dans une vidéo dédiée. Donc voilà, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi matin. Et bon courage pour la semaine pour ceux qui bossent. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Oh, ah, j'ai oublié de vous dire un truc, au fait. Je serai aussi à la Pixel Day. Le 31 mars, donc c'est dans un mois, en Belgique. Donc je voulais aussi vous dire, si vous venez à la Pixel Day le 31 mars, surtout n'hésitez pas à venir me voir. Donc je serai certainement avec pas mal d'autres youtubeurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y vont. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou, ça me fera un grand plaisir. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis belge, donc je suis né à 10 km de où se trouve la Pixel Day, c'est assez drôle. Donc j'en profitais moi le samedi aussi pour aller voir un peu de la famille, des amis, etc. Et le dimanche, donc le 31 mars, je serai sur place toute la journée. Donc ce sera l'occasion d'échanger, notamment de parler de Sega si vous le souhaitez. Donc voilà, c'était juste un petit dernier message avant de vous laisser. Allez, ciao ciao!